Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Cette semaine, j'ai décidé de ne piger que deux cartes, une dans le tarot de Marseille et une dans l'oracle de l'énergie. Donc, pour ce tirage des énergies de ce jeudi 5 octobre, qui nous accompagnera tout au long de la journée. Je vous rappelle aussi que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. Donc pour le tirage de la carte du tarot de Marseille, j'ai pigé notre bel empereur. Alors cette lame, elle vous dit qu'il est possible d'obtenir de l'aide d'un homme influent et puissant. Vous vivez une période favorable pour vos affaires et vos entreprises. C'est le moment de vous lancer, de rentrer en action en osant et en vous faisant confiance. La période est propice pour des postes à responsabilité. Quoi qu'il en soit, vous aurez une activité où vous pourrez utiliser tout votre potentiel. Il y aura aussi une reconnaissance pour vos talents, période où vous serez très productif et efficace. Par contre, pour certains, les risques d'avoir des conflits au sein de votre travail sont grands. Il vous sera difficile de supporter l'autorité. Vous pourriez aussi vous rebeller contre toute convention. Il serait bon de comprendre et réfléchir à la voie qui vous conviendrait le mieux. On vous demande d'opter pour la réflexion dans le temps, la patience et ne vous précipitez pas par des actions que vous pourriez regretter. Côté affectif, vos amours se portent bien et vous pouvez compter sur votre conjoint. Votre foyer évolue, s'agrandit et c'est une période favorable pour fonder une famille. Il y aurait aussi déménagement dans un lieu plus grand, plus confortable. Pour certains célibataires, il y aurait peut-être une rencontre avec un homme peut-être plus âgé que vous et qui aura une belle expérience de vie. Par contre, pour d'autres d'entre vous, les fondements de votre couple sont fragiles. Il existe un véritable problème de communication. Vous devrez tenter un dialogue plutôt que de subir ou de générer des conflits qui vous épuisent. Il est temps de mettre les choses à plat, de prendre des décisions et ne subissez pas en vous bloquant. Il vous faudra assumer la réalité de vos désaccords. Et au point de vue financier, eh bien c'est une période confortable. Et vous pouvez même vous attendre à des rentrées d'argent. Pour d'autres, il semblerait que vous connaîtriez des problèmes de gestion financière. Peut-être serait-il bon de repenser à votre manière d'utiliser votre argent et aussi de freiner vos dépenses impulsives. Ne perdez pas courage, misez sur la pondération de la prudence de votre situation et elle s'améliorera. En résumé, pour cette carte l'Empereur, elle vous dit que c'est le moment ou jamais pour vous lancer dans des postes à responsabilité, d'augmenter vos acquis et de mettre en œuvre de nouveaux projets professionnels. Au niveau affectif, vous aurez envie de vous engager avec plus de sérieux et il est fort probable que vous officialiserez votre relation amoureuse. Vous allez pouvoir mettre en avant vos capacités et vos talents. C'est une période d'action, de dynamisme, d'échanger
où le secteur de la communication sera favorisé. On vous demande de ne pas rester statique en attendant que les choses se produisent toutes seules. Il va falloir agir en écoutant vos instincts et mettre en œuvre vos projets. C'est le bon moment. Et nous voilà arrivés à la carte de l'oracle de l'énergie. Et c'est le premier chakra, l'archange Michel. Stabilité et sécurité. Cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez déjà éprouvé des problèmes dans le passé à propos de vos sentiments de sécurité, ils commencent à être résolus. L'archange Michel est auprès de vous et il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie. Alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Et pour l'affirmation de cette journée, elle est « Mon premier chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis fort, stable et en sécurité. L'archange Michel vous guide et vous soutient en tout temps. » Voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, l'amour, le respect, la tolérance. Et on se retrouve demain pour d'autres énergies.